Chers amis, bien le bonjour. Quelle est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire en bourse? Évidemment, vous avez les options. Avec les options, vous pouvez faire absolument n'importe quoi, surtout les options de courte durée, parce que ça cumule la volatilité et ça cumule l'effet de levier. Parce que vous voyez, quand vous négociez des options, regardez, je donne l'exemple d'une option qui a l'air toute gentille comme ça. Disons, voilà, le put que j'ai sur Total, on se dit, c'est un truc qui coûte 15 cents, donc ça veut dire que ça vous fait gagner 15 euros, etc. Mais derrière, vous avez 100 actions. Vous avez 100 actions derrière ça. Ça veut dire que même si l'option en elle-même a une petite valeur, derrière ça, vous avez en collatéral 100 actions. Et donc ça veut dire qu'à échéance, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous devez acheter ou vendre 100 actions. Donc c'est là qu'on commence à toucher à une forme de levier. C'est que bah, vous avez l'impression que vous tradez quelque chose qui a assez peu de valeur. Mais derrière ça, vous avez quelque chose qui peut avoir beaucoup plus de valeur et qui peut vous emporter beaucoup plus loin, à la hausse comme à la baisse. Maintenant, imaginez que vous soyez en train de trader des petites choses comme ça qui ont l'air tout à fait inoffensives, mais derrière, vous avez un océan de problèmes. Et ça, les objets qui sont peut-être les produits qui sont peut-être les plus dangereux à trader en bourse, je dirais que ça se situe ici, dans la zone des contrats à terme sur les matières premières. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et ensuite je vais vous raconter la mésaventure de quelqu'un qui s'est fait embarquer vraiment, vraiment, vraiment très loin. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'aspect communauté de cette chaîne que j'ai eu vent de cette histoire, parce que c'est dans un commentaire que quelqu'un m'a signalé ce cas complètement fou, et on va donc en parler ensemble. Donc vous avez par exemple ça, vous avez un contrat futur sur le pétrole brut. Vous vous dites, bah ma foi, c'est pas mal, c'est un truc qui coûte 72 dollars, ça m'expose au pétrole, c'est quand même assez sympa. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une échéance, donc une échéance de février 2024. Et en fait, si vous achetez un truc comme ça, vous prenez le contrôle de 1000 barils de pétrole. Donc là, déjà, vous vous dites que si vous voulez prendre position sur ce marché-là, en fait, vos 72, vous devez les multiplier par 1000. Et puis surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que à cette échéance, vous devez effectivement prendre livraison des barils de pétrole si vous avez les contrats dans votre portefeuille au moment où ils expirent. Et sinon, si vous ne pouvez pas en prendre livraison, vous devez payer ou trouver quelqu'un pour vous débarrasser effectivement de cette livraison de 1000 barils de pétrole dans le vrai monde. Donc c'est pas du tout des produits avec lesquels il faut rigoler. Donc je trouve ça fou que ce soit possible de trader des trucs comme ça, parce que ça peut vous emmener assez loin et vous allez voir que ça emmène des gens assez loin. D'abord, à quoi ça sert en fait ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'il y a des contrats futurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des contrats à terme sur le marché du pétrole? Ça fonctionne un peu comme des assurances. C'est à ça que ça sert. C'est par exemple, vous êtes une compagnie aérienne, votre compagnie aérienne, je sais pas, vous voyez que le pétrole aujourd'hui coûte 72 le baril, et bah vous vous dites, bah pour sécuriser mon approvisionnement, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des contrats en me disant, bah voilà, si en février le baril du pétrole coûte plutôt, je sais pas moi, 80, 90, 100, j'ai la possibilité d'acheter mes barils à 72. C'est pour ça que vous allez acheter ce genre de contrat futur. C'est quelque chose qui vous permet de vous assurer à la hausse ou à la baisse. Maintenant, on va se plonger dans l'histoire d'un trader canadien, un sympathique trader canadien qui avait pas très bien compris ce principe que derrière les contrats futurs, bah vous avez véritablement des barils de pétrole dont vous pourriez avoir à vous occuper. Et il a tradé les barils de pétrole le jour de la date d'expiration de ces barils de pétrole et le jour où les barils sont passés en négatif. Donc il y a un moment où il s'est dit, oh c'est génial, je vais pouvoir acheter des barils de pétrole à 1 cent. Donc il en a acheté plein. Et enfin voilà, vous allez voir la suite de l'histoire. Je trade à plein temps. Et ça m'assure une stabilité financière. Déjà, je trouve ça bizarre. Je trouve ça surprenant qu'un mec qui trade à plein temps se laisse embarquer dans les contrats futurs et se dise, t'inquiète, ça va le faire. C'est assez foufou. J'achète et je vends depuis tout petit. J'ai commencé en CM2 avec les cartes Pokémon.
Au départ, j'en avais qu'une, et j'ai fini par en avoir une centaine. Jusqu'au jour où mes parents me les ont confisquées parce que je faisais rien d'autre. Et maintenant, je suis passé aux crypto-monnaies. Au début, j'avais pas de vie. Je passais mon temps à réaliser des transactions. That makes sense. Cartes Pokémon, crypto-monnaie, on sent qu'on est vraiment dans le, là, voilà, la voie royale, la voie royale pour faire des trucs super. Voilà, ce sont tout ça des paris tout à fait matures. Parfois on a peur, parfois on a les crocs. Il arrive aussi qu'on se sente euphorique. Et je me suis rendu compte d'une chose. J'ai compris que si je me lançais là-dedans, ça changerait complètement ma vie. Ah, si tu savais. Alors, on va aller directement là où c'est intéressant. À ce stade, j'étais assez confiant dans le fait que le prix ne pouvait pas passer sous la barre de zéro. À ma connaissance, c'est jamais arrivé. On a ici Sayed qui achète 212 contrats alors que le baril tape dans le négatif. Je pense qu'il les a achetés à 1 cent. Hein. Il les a achetés à 1 cent juste avant que ça passe dans le négatif. Imaginez que faute d'espace de stockage disponible, ils allaient donner du pétrole gratuitement. Donc ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que les prix du pétrole peuvent effectivement passer en négatif, c'est que vous avez le Covid, donc vous avez le monde qui s'arrête, et normalement le pétrole c'est quelque chose qu'on crame très rapidement, pas seulement dans les avions, dans les bateaux, dans les voitures, mais aussi dans la production d'énergie, donc c'est quelque chose, c'est à flux tendu, c'est un robinet, et ça s'évacue parce qu'on le consomme. Et quand on se retrouve dans une situation où vous avez la production qui met du temps à s'arrêter, et vous n'avez plus de consommation, et bien effectivement, vous vous retrouvez avec un véritable problème de stockage, et vous aviez effectivement des gens qui ne savaient plus du tout quoi faire des barils du pétrole, et donc on était bien contents de les refourguer à Sayed. Tiens, tu voulais acheter du pétrole à 1 cent, tu vas être servi. On le met où? On le met dans ton jardin? C'est une pièce, je devais payer 37 dollars et des brouettes pour chaque baril. Donc à minuit, quand mon compte a été mis à jour, il indiquait un solde d'environ moins 13 millions de dollars. Avec quelle somme aviez-vous démarré la journée? Pour chaque baril que j'avais acheté 1 cent pièce, je devais payer 37 dollars et des brouettes. Pour chaque baril. Donc vous comprenez le délire. Il a acheté 200 contrats en se disant c'est trop cool, mais chaque 200 contrats l'exposait à 1000 barils. Donc c'est complètement fou les sommes avec lesquelles il s'est retrouvé sur les bras. Et donc vous actualisez votre courtier, on vous dit tiens, t'as gagné. Et personnellement, je ne touche pas du tout à ça parce que vous savez pas en fait quelle liquidité il y a derrière. Ça marche parce que c'est un jeu de dupes. On se dit je vais toujours trouver un acheteur, etc. pour récupérer le truc. Mais quand vous vous retrouvez dans cette situation où tout le monde essaie de se débarrasser, le marché peut cesser d'être liquide. Et l'illiquidité, c'est un truc où les traders particuliers, on n'est pas beaucoup concernés par ça. Parce que voilà, quand vous commencez à trader des ETF, du Apple, du BlackRock, enfin voilà, des grosses capitalisations comme ça, vous avez toujours de la liquidité. Mais vous pouvez vous trouver dans certaines situations où certaines actions... plus personne n'en veut, et donc il n'y a plus d'acheteurs en face. Ça reste des marchés, hein. On oublie que c'est des marchés, on se dit j'appuie sur un bouton et ça marche, mais pour que la transaction s'opère, il faut que vous ayez quelqu'un en face. Ce qui se passe évidemment, c'est que sur les actions, c'est un marché dans lequel vous avez de la liquidité, parce que c'est pas tellement un marché de gré à gré. Vous avez un vendeur, un apporteur de liquidité et un acheteur, pour que ce soit toujours fluide, pour qu'on puisse toujours mettre une offre en face de la demande. Mais quand vous arrivez sur des trucs un peu plus délirants, comme de la comme des barils de pétrole, et à un moment vous pouvez ne plus avoir du tout de quelqu'un pour acheter votre trade, et quand le contrat expire vous vous retrouvez effectivement dans ce genre de situation. Alors en fait sa situation s'est bien soldée parce qu'il a eu un coup de bol absolument gigantesque. C'est que il y a eu un bug dans son courtier où le courtier n'est pas passé en négatif parce que le courtier n'était pas programmé pour pouvoir passer en négatif sur certaines lignes, et donc son courtier a estimé que vu qu'il n'avait pas la bonne information
situation, il ne pouvait pas prendre des décisions éclairées d'investissement, et donc le courtier l'a dédommagé, et il s'est retrouvé qu'à payer seulement 100 000 balles. Et donc, c'est quand même assez cool, tu mises 37 dollars, et tu te retrouves avec une ardoise de 100 000 balles. Mais enfin, après, dans la suite du reportage, il explique que maintenant, il doit aller régulièrement chez les médecins parce qu'il fait de l'hypertension, et je le comprends, en fait. J'imagine, vous actualisez votre courtier, vous vous retrouvez avec 13 millions. En fait, ça veut dire que vous ne pourrez jamais payer cette dette dans votre vie, vos enfants ne pourront jamais payer cette dette dans leur vie, vos petits-enfants. Donc, en une connerie de trading, vous pouvez foutre en l'air toute une lignée. Donc, soyez sages, les mecs. Alors, petite nouvelle maintenant côté investissement. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que vous voyez que le rendement de mes investissements chez Realty est passé à 9,22. Donc, ça fait plaisir parce que les propriétés continuent d'être relouées. Vous voyez, là, je suis à 97% de taux d'occupation de mes propriétés. Donc, je pense que ça va être sympa. On va peut-être être à 9,5 quand tout sera reloué. Et j'ai certaines grosses positions, enfin, positions un peu plus importantes qui ont été relouées avec une belle augmentation de loyer. Je pense notamment à Ingleside, qui est une propriété à Chicago. Et celle-là, j'avais un loyer de 7,40. Et avec les augmentations de loyer, on est passé à 8,41. Donc, ça fait assez plaisir. Vous savez comment ça se passe, hein. Vous avez des fois de la vacance locative chez Realty. Parce que tous les ans, l'équipe de Realty, enfin, les gestionnaires de propriété, c'est pas forcément Realty, hein, c'est les gestionnaires de propriété, vont envoyer des notifications d'augmentation de loyer. Et donc, les locataires peuvent soit décider de partir, se décider de rester, et donc c'est pour ça que vous avez du turnover. Mais qui dit turnover, ça veut dire que pendant une période vous avez un peu moins de rendement sur vos investissements, mais après vous vous retrouvez avec des loyers qui ont été augmentés, et en général des logements qui ont été rénovés. Donc c'est quand même l'un dans l'autre, on s'y retrouve pas mal. On se rapproche donc de mon objectif de l'année, parce que vous savez, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 100 $ de loyer mensuel avec Realty, et 100 $, en fait c'est un seuil assez sympa, parce que ça veut dire que je vais avoir à peu près 2 tokens qui vont être rachetés, donc 2 morceaux de propriété qui vont être rachetés par mois avec les réinvestissements. Donc c'est quand même assez chouette, et ça permet d'avoir le portefeuille qui commence à grandir de façon autonome. Donc on est bien lancé pour atteindre cet objectif, et de toute façon si j'échoue, je considérerais que je suis arrivé pas très loin de cet objectif annuel. Pour le reste, on a ST Micro qui se reprend, donc c'est pas mal, parce que vous savez que j'ai fait un sandwich avec mon ST Micro entre une option que j'ai vendue à 50. Donc ça veut dire que si ST Micro Electronics passe 50, mon option est exercée, et si ST Micro Electronics tombe en dessous de 41, je m'engage à racheter des actions ST Micro Electronics. Et pour vendre ces options, j'ai touché à chaque fois une prime, donc 36 € d'un côté et 15 € de l'autre. Et l'objectif, ce serait que ST Micro reste entre ces deux bornes, donc entre 41 et 50, jusqu'à mi-janvier, et ça me permettrait d'empocher l'ensemble des primes. Donc c'est des petits paris que je fais de temps en temps. Je documente ça pour vous ici, donc ça c'est le maximum que je pourrais gagner pour ce mois, donc 123 avec les options, parce que j'ai également vendu une autre option sur l'autre portefeuille. D'ailleurs, je vais la mettre dans une autre couleur, parce que ça, c'est sur le portefeuille alpha que je ne montre, que je réserve aux abonnés de la page Patreon. Pour la page Patreon, comme d'habitude, si vous voulez le contenu exclusif, vous avez le lien sous cette vidéo. Je documente une autre aventure d'investissement et une aventure entrepreneuriale, donc vous avez plein de contenu exclusif si vous voulez aller plus loin. Et pour le reste, je continue à avoir les dividendes qui arrivent pour faire grossir cette petite poche de cash pour le moment où je pourrais envoyer une petite cartouche si les marchés baissent. Et en attendant, j'ai suffisamment de positions dans mon portefeuille pour profiter des hausses de marché. J'ai le dividende spécial de Main Street Capital qui est arrivé. Donc c'est le deuxième dividende que me verse Main Street Capital ce mois. Donc ça fait plaisir. C'est un bel investissement, Main Street Capital, hein. Je suis assez content de cette ligne, et en plus elle commence à se comporter un petit peu comme une action de croissance. Si vous regardez au cours des 6 derniers mois, là on a eu une belle augmentation, mais donc là pour moi c'est pas du tout un moment pour rentrer sur Main Street Capital. C'est une entreprise qui
peut avoir des petits coups des petits coups de mou, et si Main Street Capital a à nouveau un coup de mou et que je suis toujours content des finances de cette boîte, j'hésiterai pas à renforcer, parce que enfin voilà, c'est une entreprise qui m'a rapporté beaucoup et qui continue de rapporter beaucoup. Ce dividende mensuel et ces dividendes spéciaux font toujours plaisir. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF et pourquoi pas vendre des options pour augmenter votre rendement, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo avec 100 euros de frais de courtage remboursés si vous suivez ce lien. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.